Nous sommes lundi 26 septembre 2022. Il est 12h33 ici à ma montre. Donc, vous êtes bien sur l'émission L'histoire des héros et héroïnes africains, animée par Dr. Jean-Claude Djereke. Ça se passe un lundi sur deux. Donc, aujourd'hui, nous aurons encore à découvrir une personne. À chaque fois que Jean-Claude fait cette émission, je ne fais qu'apprendre. Donc, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Alain. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ouais, quelle est la surprise d'aujourd'hui alors? La surprise d'aujourd'hui, c'est Marthe Moumier, ouais. Héroïne et martyre de la lutte anticolonialiste. J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de Marthe Moumier. Comment est-ce que tu fais pour dénicher ces personnes-là? Mais je fais des recherches et comme je veux que la jeunesse africaine et les Africains en général connaissent leur histoire et se l'approprient, je fais des recherches pour voir les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de ce continent-là. Très bien. En tout cas, merci pour cette découverte. J'espère que nos auditeurs aussi vont apprendre aujourd'hui des choses sur le parcours de cette brave dame, Marthe Moumier. Donc, nous saluons de passage tous nos auditeurs, ceux qui sont déjà connectés. Toutes nos salutations de partout où vous vous trouvez. Merci d'être là avec nous. Merci aussi de partager l'émission parce que cette émission, elle est plus importante que certains Congossais la confèrent ici, là, que les gens font tout le temps, you know, quand ils sont live. Ça, c'est une émission instructive. Et à chaque fois, moi, j'apprends des choses. Et donc, c'est important qu'on s'intéresse à cette émission. Donc, merci d'être là. Merci aussi de partager. Voilà, on va aller avec Dr. Jean-Claude. Tout de suite, la naissance et le parcours scolaire de Marthe Moumier. Marthe Moumier naît le 4 septembre 1931 en pays Boulou. Je rappelle que Boulou, c'est des gens qui sont au sud, au centre-sud du Cameroun. Et le président actuel du Cameroun, Paul Biya, il est de cette ethnie-là. Donc, elle naît en pays Boulou et à sa naissance, elle reçoit un nom prémonitoire. Ekemeyong, c'est un nom Boulou qui signifie « celle qui quittera le terroir pour vivre chez les autres ». Et effectivement, Marthe va épouser un Bamoun. Le Bamoun, c'est à côté des Bamileke, à côté de Bafoussam. Donc, c'est une autre ethnie. Donc, elle va épouser un Bamoun. Et Félix Moumier, et plus tard, elle vivra pour sa sécurité, pour mieux mener le combat pour l'indépendance du Cameroun. Elle va vivre dans différents pays. Le Ghana, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, l'Égypte, l'Algérie, vous voyez. Donc, vraiment, son nom, elle le portait très bien. Hein, celle qui quittera le terroir pour vivre chez les autres. Alors, c'était une bonne élève. On dit qu'elle travaillait très bien en classe. Et donc, elle aura un parcours sans faute, un parcours scolaire sans faute. D'accord. Il y a une auditrice ici, Sophie Tok, qui disait que le parcours de cette femme est directement lié à celle de son mari, Félix Roland Moumier. Tu partages ça? Oui, tout à fait. Parce que Moumier, effectivement, on l'appelle Marthe Moumier, mais Moumier, c'est le nom de son mari, qui est un jeune médecin qui a étudié la médecine à l'école William Ponty de Gorée, parce qu'à l'époque, c'était la grande école. Et donc, elle va le rencontrer, je crois, à l'âge de 16 ans, à Lolodorf, une ville du Cameroun, où Moumier avait été affecté comme médecin. Voilà. Donc, en fait, elle porte le nom de son mari. Mais son vrai nom, comme je l'ai dit, c'est Ekemeyong, qui signifie elle quittera, donc celle qui quittera le terroir pour vivre chez les autres. Mais je voudrais quand même qu'on attire l'attention un peu sur la photo de Marthe ici. On voit la beauté africaine. Le noir d'ébène, les cheveux naturels, afro, c'est tellement cool. Oui. Toi, tu as parlé plusieurs fois ici de l'importation, tu vois les mèches, des trucs. Tu vois comment est-ce que cette femme-là est naturellement belle? C'est ça, tout à fait. Et c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, à nos jeunes filles africaines. Hein? Je ne vois pas ce qu'il y a de plus beau que ça, là.
que cette image-là, hein, la coiffure afro, le teint naturel, pas de maquillage, hein, pas de faux cheveux, pas de faux cils, c'est beau. Et ça veut dire que ça dit quelque chose sur la personnalité de Marthe Moumier. Ça dit que c'est une femme qui était fière, fière de sa couleur, fière de ses cheveux, fière de son nez, vous voyez. Donc, je crois que cette émission, c'est aussi ça, un des buts de cette émission. Il faut que les Africains, il faut que nous apprenions à être fiers de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Là, en la voyant, certainement, elle n'a pas appliqué un produit quelconque pour blanchir la peau. Non, non, non. Elle est elle-même, voilà. Elle est elle-même. Et elle est belle comme ça, voilà. Elle ouais. est belle comme ça. En tout cas, donc, nous encourageons nos sœurs. Vous êtes belles naturellement, nos sœurs, donc... Voilà, restez tel que vous êtes. Merci, on va continuer. Sa vie est marquée à 16 ans déjà par un important événement. Lequel? Donc, à 16 ans, elle va rencontrer Félix Moumier, médecin à Lolodof. C'est là que Marthe Moumier a fini son cursus scolaire. Donc, elle le rencontre là. Et puis, voilà, ils vont s'aimer et ils vont se marier. Ils vont se marier... quand Marthe a 19 ans, et de ce mariage naîtront deux filles, Berthe et Hélène. Ok. Et il semblerait que l'une des filles était morte très tôt, là, à l'âge de 1 an et demi, un truc. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est finalement Hélène qui va rester en vie. Et Hélène, je crois qu'elle vit en Europe. Et elle s'est toujours occupée de sa mère. Et d'ailleurs, on verra au cours de cette émission que sa mère est décédée parce qu'on raconte que c'est un jeune homme qui était entré dans la maison. Il croyait qu'elle avait de l'argent parce que sa fille Hélène lui en envoyait de temps en temps. Voilà. Mmh. D'accord. Mais à quel moment elle s'est engagée dans la lutte politique, le parti UPC, Union Populaire ou c'est quoi, de population du Cameroun? Elle s'engage très tôt, mais c'est en 1955 qu'elle va intégrer le bureau de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, parti nationaliste qui se battait pour l'indépendance immédiate du Cameroun. Il faut savoir qu'à cette époque, la France voulait que les pays africains attendent. Hein. Les gens disaient qu'ils n'étaient pas prêts. Et moi, j'ai parlé avec ma belle-mère qui est venue ici. Parce que ma belle-mère, et ça, c'est vraiment intéressant, ma belle-mère, son mari, hein, M. Mbété a travaillé dans le même hôpital que Félix Moumier. Parce que mon beau-père, que je n'ai pas connu, était médecin. Et lui aussi était militaire dans l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. Et donc, elle m'a dit, ma belle-mère, que Oufouet était venu en campagne à Douala, dire que non, voilà, les Africains ne sont pas encore prêts pour l'indépendance. Il faut qu'on reste avec les Français, vous voyez. L'UPC n'était pas de cet avis-là. L'UPC voulait une indépendance immédiate. Le fameux Oufouet. Voilà. Donc l'UPC voulait une indépendance immédiate et la réunification du parti, du Cameroun, parce qu'à cette époque, il y avait deux Camerouns. Il y avait le Cameroun britannique et le Cameroun français ou francophone, vous voyez. Oui. Voilà. Mais justement, ce discours ne plaisait pas à la France. Hein, la France avait un gouverneur, je crois que c'est Pierre Messmer, qui était après Premier ministre. Donc, pour eux, l'UPC et ses responsables étaient déjà extrémistes. Donc, il fallait les combattre. Et effectivement, ils les ont combattus, ils les ont tués. Hein, Oum Niobe, Félix Moumier, Ernest Ouandier, tous ces gens ont été assassinés. Ils ont été assassinés alors qu'ils voulaient simplement quoi, l'indépendance de leur pays. Ils voulaient que, ils ne voulaient pas une fausse indépendance, hein, telle que justement on l'a eu en 1960. Parce qu'à part des pays comme la Guinée en 1958, la plupart des pays africains dits francophones ont eu, n'est-ce pas, une fausse indépendance, un semblant d'indépendance, parce que la France n'est jamais partie. En tout cas, merci. Hein, merci à salutations à Sophie, à Anissette, à Lina, tous ceux qui sont déjà connectés. Général Makoso Abdoulaye, est-ce que ça, c'est le vrai nom, ça? Je ne sais pas, mais ben voilà, c'est ce que je vois. Il y a Rama Issa, il y a Madibaï Léon, il y a Ngon Gel.
Donc, salutations à Esther et tout ce monde-là. Nous vous saluons vraiment. Merci d'être là avec nous. C'est une émission très importante. En tout cas, comme je l'ai dit, j'apprends beaucoup de choses. Et pour moi, c'est aujourd'hui que je découvre Marthe Moumier. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Donc, nous allons continuer à la découvrir. Et quelle était la réaction du colonisateur alors par rapport à cette dame? Marthe Moumier, comme je l'ai dit, va intégrer le bureau de l'UPC en 1955. Et la même année, de violentes émeutes éclatent dans les villes du Cameroun. Vous voyez partout, les gens sont en colère contre la colonisation. Et les colons vont réagir, ils ne vont pas rester les bras croisés. Mais ils réagissent comment? Ils réagissent en réprimant violemment les manifestations, qui habituellement, en général, sont pacifiques. Les gens ne sont pas armés. Les gens simplement expriment leur ras-le-bol. Mais l'administration coloniale va réagir violemment. Donc, il va y avoir des morts et des blessés dans plusieurs villes du Cameroun. La conséquence, c'est que l'UPC, le parti, est dissous par les colons. Le parti est dissous. Et ses responsables sont contraints de vivre et de travailler dans la clandestinité. Ouais, donc, beaucoup vont prendre le maquis, comme Oum Niobe. Ils vont vivre au maquis. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les colons ne sont pas restés sans réaction. Ils ont réagi, mais violemment, ils ont réprimé les manifestations pacifiques des populations. D'accord. Oui, Général Makossa Abdoulaye, vous êtes notre fidèle auditeur, nous apprécions cela, mais le Makossa, là, ça me rappelle Général Makossa de Côte d'Ivoire et j'espère qu'il n'est pas votre héros. Choisissez des bons héros, quoi. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. Donc, merci d'être là de toutes les façons. Nous allons continuer. La répression que subit l'UPC amène-t-elle Marthe à abandonner la lutte? Est-ce qu'elle a fini par abandonner la lutte après toutes ces répressions-là? Non. Et justement, c'est là qu'on voit un de ces, comment on dit ça, traits de caractère. C'est une femme qui ne se décourage pas vite. Marthe, donc, ne va pas jeter le punch. Il faut savoir qu'elle a été victime avec son mari de plusieurs tentatives d'assassinat. Et donc, ils seront obligés de changer de ville. Ils vont quitter Douala pour aller à Koumba. Koumba, c'est dans le Cameroun britannique. En 1957, elle est arrêtée et amenée à Limbé. Limbé, c'est une autre ville du Cameroun anglophone. Elle est même emprisonnée là-bas et elle sera libérée, n'est-ce pas, de prison en 1959. Mais Marthe ne jette pas l'éponge. Elle va continuer la lutte, mais à partir de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'exiler en Égypte, l'Égypte de Nasser. Parce que Nasser fait partie des panafricanistes. Oui, absolument. Exactement. Ouais. Donc, elle va s'exiler chez Nasser en Égypte. Elle va passer quelques mois là-bas. Ensuite, elle ira au Ghana. Elle ira au Ghana. Le Ghana de Kwame Nkrumah, parce qu'il faut savoir que le Ghana est indépendant depuis 1957. Donc, Nkrumah aussi était panafricaniste. Il soutenait, n'est-ce pas, la lutte des panafricanistes comme Oum Niobe. Donc, elle va au Ghana, où elle va participer à la conférence de tous les peuples africains, conférence organisée par Kwame Nkrumah. Et on raconte qu'elle est la seule femme à prendre la parole au cours de cette conférence. Et comme c'était une femme très, très brillante, il semble que les participants étaient vraiment impressionnés par son discours. Elle avait fait un discours très, très brillant et les gens avaient été marqués par ce discours-là. Donc, elle est la seule femme à prendre la parole au cours de cette conférence. Mais finalement, c'est en Guinée-Conakry, la Guinée de Sékou Touré, c'est là qu'elle va s'installer de manière définitive avec son mari. D'accord. Mais là, on constate que la persécution politique, là, ça a toujours existé, et même dans les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, quand même, les gens restaient sur leurs convictions, quitte à mourir pour ça. Mais aujourd'hui, nous voyons et nous constatons malheureusement que beaucoup des hommes politiques, une fois persécutés, essayent de retourner la veste et puis bon, ils entrent dans la mangeoire et puis ça affaiblit la lutte. Qu'est-ce qui explique tout ça là? Pourquoi est-ce que de l'époque, les gens étaient plus intransigeants
plus convaincus par rapport à leur à ce qu'ils voient. Mais aujourd'hui, non, on retourne les vestes facilement quand facilement. On est persécuté. Tout à fait. Nous, on a connu ça récemment, hein, en octobre 2020. L'opposition en Côte d'Ivoire était vent debout contre Ouattara, contre le troisième mandat anticonstitutionnel. Et on a vu des gens qui étaient avec Ouattara qui ont rejoint l'opposition. Donc, il y a eu un grand meeting au stade Oufo-Boigny. Et les gens qui avaient quitté Ouattara, ils étaient les plus virulents. C'est eux qui disaient les choses les plus dures contre Ouattara. Mais curieusement, hein, deux de ces gens-là ont rejoint récemment Ouattara, la queue entre les pattes. Ils sont allés lui demander pardon. Voilà, on te demande pardon, on veut revenir. Bon, ça veut dire quoi? C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Et puis, c'est des gens, en fait, pour eux, ce qui compte, c'est le ventre. Donc, quand ils n'ont plus rien à manger, voilà, ils n'ont pas honte, quoi. Voilà, ils n'ont pas honte de retourner à leur vomissure. Voilà, et je crois que la Bible appelle ces gens-là des chiens. C'est des chiens. Hein, quand vous prenez Proverbe, je crois, 26-11, la Bible les appelle des chiens qui retournent à leur vomissure. Parce que c'est quand même incroyable. On ne peut pas avoir, n'est-ce pas, incendié hein, quelqu'un, et à juste titre, parce que le troisième mandat, hein, il est anticonstitutionnel. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir critiqué ça violemment, et puis après, venir travailler avec celui qui, n'est-ce pas, a brigué le pouvoir, n'est-ce pas, pour la troisième fois. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est terrible. Oui, nous saluons hein, toujours les auditeurs qui continuent à nous joindre. Moussa Seif, salam alaik, kefalak. Depuis la Floride, notre jeune frère Abakar Badawi, le nationaliste tchadien, salutations à tout le monde. Merci d'être là. Nous allons continuer. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 novembre 1960, docteur Jean-Claude? Le 3 novembre 1960, Félix Moumier, qui, je le rappelle, est un des fondateurs de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, était en mission à Genève. Il est allé là-bas pour parler évidemment du parti, parler du combat que menaient les nationalistes camerounais. Et là-bas à Genève, il est assassiné, il est empoisonné. Il est empoisonné au thallium par un agent des services secrets français qui s'appelle William Bechtel. Donc, c'est évidemment la stupeur. Et Marthe, la veuve, l'épouse, va apprendre la mauvaise nouvelle, par la radio. Donc, c'est par la radio qu'elle apprend que son mari est assassiné. Mmh. Oui, c'est terrible. Et c'est un coup dur pour l'UPC. Hein? Et en général, pour tous ceux qui luttent pour la vraie indépendance en Afrique. C'est un coup dur. Parce que Moumier n'est pas n'importe qui. C'est un médecin, c'est un brillant intellectuel. Et c'était vraiment un nationaliste. Vous voyez? Donc, c'est un jour triste pour Marthe Moumier. Et donc, elle apprend la nouvelle. Mais comme je l'ai dit, c'est une femme qui n'abandonne pas, qui ne se décourage pas. Hein? D'autres personnes auraient jeté l'éponge, auraient dit, mais ça ne sert à rien, ce combat-là, voilà qui me prend, qui m'a pris mon mari, voilà, je suis persécuté, je suis emprisonné. Tout cela, à quoi ça sert? Il vaut mieux que j'arrête. Mais Marthe Moumier ne va pas arrêter. Ouais, elle ne baisse pas les bras. Donc, elle va demander que le corps soit rapatrié en Guinée-Conakry. Et elle va obtenir ça. Donc, le corps sera rapatrié en Guinée. Mais elle va aussi demander une enquête sur la mort de son mari. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, après le rapatriement du corps en Guinée, elle va reprendre ses déplacements. Vous voyez, et c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est intéressant et impressionnant chez cette dame-là. Elle va reprendre ses déplacements, tout ça pour, toujours pour la lutte, pour faire connaître hein, la lutte, n'est-ce pas, que mène l'UPC au Cameroun. Donc, elle va visiter plusieurs pays, dont la Guinée équatoriale. Il faut savoir que la Guinée équatoriale, à cette époque-là, est occupée par les Espagnols. C'est un pays qui a été colonisé par les Espagnols, par l'Espagne. Donc, en Guinée équatoriale, elle va faire la connaissance d'un certain Anastasio Ndong. Ndong, c'était un combattant. Il luttait contre la colonisation espagnole dans son pays. Donc, les deux commencent, n'est-ce pas, à se fréquenter. Et puis, voilà, ils s'amourachent l'un de l'autre. Voilà, ils s'amourachent et ils commencent à vivre ensemble. Et ils vont faire des déplacements en Afrique, notamment en Algérie.
se rendre en Algérie en 1966. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a aussi l'Algérie. L'Algérie qui se bat, n'est-ce pas, pour son indépendance. Et déjà en 1966, l'Algérie indépendante, l'Algérie a chassé la France, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, ils vont se rendre en Algérie pour discuter avec les autorités algériennes, hein, notamment Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie. Et 3 ans plus tard, malheureusement, Attanasio, qui a tenté un coup d'État, hein, il tente un coup d'État, n'est-ce pas, et le coup d'État échoue. Alors, il est arrêté et immédiatement exécuté. Alors, Marthe, à son tour, elle est arrêtée, puisque c'est la compagne de Anastasio, donc elle est arrêtée, elle est emprisonnée, en Guinée équatoriale, puis elle est expulsée contre son gré au Cameroun, alors qu'elle avait souhaité, n'est-ce pas, être renvoyée en Guinée-Conakry, où, n'est-ce pas, son mari, le corps de son mari venait d'être rapatrié. Donc, on l'envoie plutôt au Cameroun. Et au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est emprisonnée, et elle est torturée en prison. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le patron des services de renseignement, un certain Fauchivé, qui n'a pas vraiment une bonne réputation, c'est vraiment un spécialiste de la torture. Donc, Marthe sera torturée pendant 5 ans, elle sera emprisonnée au Cameroun. Je crois que finalement, elle sera libérée sous la pression internationale. Elle sera libérée en 1974, je crois, oui, 74. En tout cas, on ne fait que découvrir sur cette femme-là. Nous saluons encore tous ceux qui continuent à nous rejoindre. Salut à toi, Lucie Roisingar, comment tu vas? Nous saluons Célestin, nous saluons notre frère depuis Ouaga. Hein? On a vécu à Ouaga ensemble. Gaïa Awinko, comment tu vas? J'espère que tout va bien chez toi là-bas. Jean-Claude, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, nous parlons des années, il y a combien? Presque 50, 60 ans déjà, hein, de cette bonne dame-là qui a compris les choses et qui s'est lancée dans la lutte anticoloniale. Mais aujourd'hui, nous continuons à voir que c'est beaucoup plus aussi les femmes qui continuent à lutter, qui sont prêtes à se sacrifier, alors que nous, les hommes, nous sommes toujours derrière. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, mais au Tchad, par exemple, là, on voit toujours les femmes au devant de la scène. Jacqueline Moudena, par exemple, qui a pris des grenades. Et nous voyons les Kem Nelum, Delphine et toutes ces femmes-là qui luttent. Même à Sandana, nous avons vu des femmes, comment les femmes ont pris le devant. Mais les hommes sont toujours en arrière-plan. Alors que dans nos cultures, normalement, ce sont les hommes qui doivent prendre le devant des choses. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est la peur ou bien c'est quoi finalement? Mais les femmes, peut-être, elles osent plus. Peut-être parce qu'elles portent la vie. Elles portent la vie dans leur ventre pendant 9 mois. Et donc, elles se battent pour que, justement, il n'y ait pas de morts. Je crois que ça peut être une explication, ça. Bon, mais il faut aussi dire que, bon, parfois les femmes se montrent plus courageuses que les hommes. Hein. Moi, en Côte d'Ivoire, bon, comme tu parles de la Côte d'Ivoire, je prends quelqu'un comme Simone Gbagbo, c'est une femme courageuse, voilà, qui a fait la prison plusieurs fois, en 92 notamment, elle a fait la prison. Et là encore, en 2011, voilà, elle a fait la prison pendant 8 ans. Hein, pendant 8 ans. Et quand elle est sortie de là, tout le monde pensait que c'était fini, elle allait être brisée, elle n'allait plus parler. Mais non, elle a parlé. Je me rappelle, France 24 lui avait demandé ce qu'elle pensait de Ouattara. On lui avait dit, mais on dit que Ouattara est dictateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle dit, mais bien sûr. Elle dit, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, c'est un dictateur. Vous voyez? Donc voilà, quelqu'un qui sort de prison, mais qui continue à parler sans langue de bois. C'est extraordinaire. Bon, après elle, il y a cette pauvre dame-là, Pulcheri Balé, qui est en prison. Ça fait déjà, plus, je crois, presque un mois, elle est en prison. Parce qu'elle a critiqué le régime de Ouattara. Parce qu'elle a parlé de la cherté de la vie. Ouais, donc, je crois qu'il faut féliciter toutes ces femmes-là. Et vraiment, je crois que nous, les hommes, nous devrions leur emboîter le pas. Hein? Nous devrions leur emboîter le pas. Mais parlant des femmes, Jean-Claude, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité pendant le deuil de la reine en Angleterre. Il semblerait qu'on a mis des chefs d'État africains dans des bus comme des petits écoliers
alors que les autres homologues chefs d'État sont partis dans des cortèges avec tous les honneurs possibles. Mais nos chefs d'État africains ont fait la queue pour monter dans le bus. Mais la seule qui a refusé, c'est la présidente de l'Éthiopie. Encore une femme. Vous voyez un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de l'homme noir, des gens qui, chez eux, sont des maîtres à tout faire, mais quand face à l'Occident, ils deviennent des petits bébés. Ils n'arrivent même pas à ouvrir la parole, dire un mot. Et c'est une femme qui a dit, non, mais écoutez, moi, je suis aussi chef d'État comme vous. Je mérite les honneurs, sinon je vais monter dans la voiture de mon ambassade. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Non, je n'ai pas suivi, mais vraiment, je te crois, hein, je te crois, et je dis bravo. Je tire mon chapeau à cette dame, à cette Éthiopienne. Hein. Ouais. Parce que je crois que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut se faire respecter. Hein. Et bon, je crois qu'on va y revenir au cours de cette émission. C'est ce qui s'est passé voilà, à l'ONU, là, avec Abdoulaye Maïga. On y reviendra. Voilà, il faut. Les Africains, il est temps que les Africains se fassent respecter. Mmh. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps aussi que les hommes africains se retirent et laissent la place aux femmes pour diriger nos pays africains. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, à ce que je sache, il y a eu Libéria qui a eu une femme à la présidence. Mmh. Et puis en Éthiopie, c'est tout. Hein, je ne sais pas. Moi, est-ce qu'il y a d'autres pays, mais je ne crois pas en Afrique. C'est toujours des hommes et nous n'évoluons pas, nous n'avançons pas. À un moment donné, il faut que les hommes se retirent et laissent les femmes gérer nos pays là avec un cœur de mère. Il va y avoir moins de crimes. Il va y avoir moins de vols, de détournements, et l'Afrique va évoluer. Est-ce que tu ne partages pas ça? Ah oui, moi, je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. On a essayé pendant longtemps, disons, pendant 60 ans, on a essayé avec les hommes. Je ne crois pas que le résultat soit vraiment brillant. Alors, il est peut-être temps qu'on essaye aussi avec les femmes. Il est peut-être temps. Bon, je ne sais pas si l'ego de l'homme noir est préparé pour accepter comme présidente une femme. Ça aussi, c'est une question qui reste à être résolue, quoi. Je ne sais pas. Mais revenons un peu sur Marthe, là. S'est-elle remariée après la mort de son mari? Oui. Elle s'est remariée avec ce équato-guinéen, le combattant équato-guinéen, Anastasio Ndong. J'ai dit que après que le corps de son mari a été rapatrié en Guinée, donc elle a repris ses déplacements, ses voyages, et la Guinée équatoriale est un des pays qu'elle a visité. Et donc, quand elle est allée dans ce pays, elle a fait la connaissance de cet homme-là, Anastasio Ndong. Et je crois que tout de suite, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Donc, ils ont commencé à se fréquenter et puis ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se sont mariés. Et malheureusement, comme j'ai dit, Anastasio est mort exécuté après un coup d'État qui avait mal tourné. Et donc, pour la seconde fois, Marthe, elle est devenue veuve. Vous voyez, donc, on a l'impression que vraiment le malheur s'acharnait sur cette dame-là. Mmh. D'accord. Quand elle était retournée à Conakry, qu'est-ce qui s'est passé? Mais à Conakry, évidemment, bon, c'était son point d'attache, hein, mais elle a continué le voyage parce qu'il fallait continuer la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Donc, je crois qu'elle a repris, n'est-ce pas, ses déplacements. Mais il s'est passé quelque chose, je crois, à Conakry, je crois que ça doit être, je ne sais plus l'année, mais les gens avaient, les gens, des inconnus, avaient profané la tombe de Félix Moumié. Et ça l'avait vraiment affecté. Mais on n'a jamais su qui a fait ça. Oui, on nous rappelle ici que Péris de Sierra Leone a dirigé une transition. Et là, ça me rappelle aussi la Centrafrique. Il y avait aussi une femme là qui a dirigé la transition aussi en Centrafrique, c'est vrai. Ouais. Et en Tanzanie aussi, il semblerait, je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est vrai. L'actuelle présidente de la Tanzanie, c'est une femme, tout à fait, c'est une femme. OK. C'est une femme, c'est vrai. Ouais. On aimerait seulement voir beaucoup plus de femmes, surtout en Afrique francophone, parce que c'est la partie de l'Afrique qui est complètement par terre.
Et nous voulons vraiment changer de leadership pour voir si les choses vont changer aussi, quoi. Oui, mais moi, je pense que les femmes, hein, au moins pour ce que j'ai vu là, en Tanzanie, parce que cette dame-là, elle était déjà dans le gouvernement de l'ancien président, celui qui est mort là. Et on disait beaucoup de bien d'elle. Hein, et jusque-là, moi, je n'ai rien entendu de mauvais sur elle. Donc, ça veut dire qu'elle tient bien le pays et je crois que les Tanzaniens sont contents de son leadership. Mais la Tanzanie, en général, hein, ils sont différents de nous autres quand même. Hein. Leur leadership, ça a toujours été bien. Hein. L'Afrique de l'Est, surtout, ils ne sont pas comme chez nous, là, les francophones. Là. Oui, et puis là-bas, je veux dire que l'alternance se fait facilement. Hein. Oui. Tous les 5 ans, il y a des élections. Le président qui a fini ses 2 mandats, il s'en va sans problème. Et ça, il faut leur tirer le chapeau. Hein. Ce n'est pas comme chez nous où les gens s'accrochent. Hein, les gens ne veulent pas partir, les Déby, les Bongo, il y a des maçons là depuis 40 ans, comme si le pays était leur propriété privée. C'est inacceptable ça, on ne peut pas accepter ça. Mais est-ce que la France n'est pas responsable en partie pour ces choses-là en Afrique? Nous voyons, pourquoi est-ce que ces choses se font seulement en Afrique francophone? Ah oui, vraiment, on ne peut pas dire que la France est étrangère à ses pouvoirs. Qui dure. On ne peut pas dire que la France n'y est pour rien, elle y est pour quelque chose. Je sais qu'au Togo, par exemple, il y a un Français, je crois, un prof de droit, qui était le conseiller juridique de Yadema Père, et quand Yadema Père est mort, il est resté pour modifier la constitution en faveur de Faure et Yadema. Oui, il s'appelle, je crois, Desbaches, quelque chose comme ça, Desbaches. Voilà, un Français qui était conseiller à la présidence. Il est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais pendant longtemps, il est resté conseiller là-bas. Oui, donc son rôle, c'était de dépatouiller la constitution voilà, en faveur de la famille Edema. Oui, donc la France, tout à fait, la France n'est pas étrangère à cette situation-là. Mais on a vu aussi au Tchad, le feu maréchal Déby lui-même a dit que la France a envoyé un constitutionnaliste pour l'amener à modifier la constitution. C'est vrai, c'est bien beau tout ça là, mais ils sont quand même des êtres humains. Ils ont aussi un cerveau. J'espère qu'ils réfléchissent aussi, ces chefs d'État-là. Pourquoi ils ne peuvent pas dire non à la France? Non, ce n'est pas ça. Je m'engage, je me suis engagé pour 2 mandats. 2 mandats, je me barre. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Parce qu'on va les assassiner, c'est ça? Oui. Bah. Et je crois que la France a intérêt à avoir à la tête de nos pays des gens qui... Des bénis, oui, pas, oui. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas forcément compétents, mais qui protègent les intérêts français, qui les aident, n'est-ce pas, à voler nos richesses, c'est tout. Hein. Mm-hmm. C'est ça. Pour revenir à Marthe Moumier, est-ce qu'elle a laissé des ouvrages? Oui, elle a écrit en 2006, elle a publié aux éditions du Boiry, qui appartiennent à l'écrivain Charles Onana, le Camerounais Charles Onana. Elle a publié en 2006 un ouvrage qui s'intitule « Victime du colonialisme français, mon mari Félix Moumier ». Hmm. Et l'ouvrage a été préfacé par Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie. De l'Algérie. Alors, elle, essentiellement, elle affirme dans cet ouvrage que c'est De Gaulle, le général De Gaulle, qui a tué son mari. Mm. Voilà, parce que, je l'ai déjà dit, la France trouvait que Oum Niobe et ses compagnons étaient intransigeants, n'étaient pas modérés. Donc, eux, ils trouvaient que Amadou Ahidjo était plus accommodant. Voilà, donc Amadou Ahidjo, c'était leur homme. Et ce qui est dommage, parce que bon, je veux dire qu'ils ne sont pas obligés d'aimer Oum Niobe, ils n'étaient pas obligés, mais de là, n'est-ce pas, à l'assassiner, quand même, pour un pays qui dit, n'est-ce pas, être le pays des droits de l'homme, ça pose un problème. Ouais, la France est un pays barbare.
Voilà. Donc, bon, si vous voulez choisir, je vais dire, quelqu'un, un béni, oui, ok, ça c'est votre problème. Mais ça ne vous donne pas le droit d'assassiner, hein, les autres, ceux qui veulent une indépendance, n'est-ce pas, immédiate et une indépendance réelle, pas un semblant d'indépendance. Ça ne vous donne pas le droit de les tuer. Mais comment a-t-elle fini sa vie, Marthe Moumier? Mais sa fin, malheureusement, a été tragique. Voilà. Elle est morte comme son mari. C'est-à-dire que, on l'a découvert, n'est-ce pas, le 8 janvier 2009, on l'a découverte, Marthe, violée, étranglée chez elle à Ebolova. Et c'est vraiment, c'est terrible. Alors, on dit que c'est un jeune homme qui a fait ça. C'est un jeune homme qui l'a violé, qui l'a étranglé. Et on dit que ce jeune homme-là, il était à la recherche d'argent. Parce que Marthe, sa fille Hélène, qui est en Europe, lui envoyait de l'argent de temps en temps. Et donc, ce jeune homme-là, il paraît qu'il avait faim. Et donc, je ne sais pas, peut-être que la porte n'était pas bien fermée. Et donc, il s'est introduit dans la maison. Et donc, il cherchait de l'argent. Alors, on raconte que c'est lui qui l'a étranglé, mais après l'avoir violé. Voilà. Bon. Alors, moi, je trouve c'est un peu trop facile quand on dit un jeune homme qui cherchait de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière ce jeune homme-là? Parce que n'oublions pas, hein, que ça se passe en 2009. Et 3 ans avant, 3 ans plus tôt, elle a écrit un livre où elle indexe le général de Gaulle. Elle dit que c'est le général de Gaulle qui a tué son mari. Vous voyez? Alors, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière cet enfant-là, ce jeune homme-là? Est-ce qu'il n'y a pas la main de la France derrière toute cette affaire-là? D'accord. Mais on dit à nos auditeurs, hein, s'ils ont des questions, ils peuvent déjà poster sur la page commentaire, on peut prendre leurs questions aussi. Nous allons maintenant parler de l'actualité. Hein. D'abord, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il faut retenir de Marthe Moumier? Bon, je crois que on peut dire premièrement que la vie de cette femme ne fut pas de tout repos. On a vu d'abord l'assassinat de son mari. Après, elle va en Guinée équatoriale. Elle rencontre Anastasio Ndong, avec qui elle se marie. Ce monsieur est assassiné aussi. Il est exécuté après, n'est-ce pas, une tentative de coup d'État qui a foiré. Elle a fait la prison, hein, pendant 5 ans au Cameroun. Voilà, donc c'est ça. Sa vie n'a pas été vraiment de tout repos. C'est comme si le sort, pardon, s'acharnait sur elle. Et puis, deuxièmement, je voudrais dire que c'est une héroïne. C'est une héroïne et une martyre de la lutte anti-colonialiste, anti-coloniale. Et puis, c'est une femme courageuse. Parce que plusieurs fois, comme je l'ai montré, c'est une femme qui n'a jamais baissé les bras. Alors qu'elle aurait pu. Elle aurait pu dire, mais à quoi ça sert de continuer ce combat-là, qui ne m'apporte que des malheurs. Elle aurait pu dire ça et s'arrêter. Mais elle a toujours continué. Elle n'a jamais baissé les bras. Donc, c'est une femme courageuse. C'est une femme nationaliste. Vous voyez, elle fait partie des gens qui voulaient une indépendance vraie. Pas les fausses indépendances qu'on a eues en 1960. Vous voyez, elle aimait son pays. Elle voulait que le Cameroun soit dirigé par ses enfants, que le Cameroun prenne son destin en main. Oui, donc il y a ça aussi, elle était nationaliste, et puis c'était une panafricaniste. Hein, j'ai montré comment elle a circulé dans toute l'Afrique, hein, l'Algérie, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, l'Égypte. Donc vraiment, l'Afrique, elle connaissait vraiment l'Afrique, tu vois. C'était pas l'Afrique dans les livres. Elle avait touché vraiment du doigt l'Afrique, ses réalités, elle connaissait l'Afrique. Voilà, donc elle se battait vraiment pour l'unité et la solidarité des Africains, parce que c'est ça, je crois que je profite de cette émission pour le rappeler. Quand on parle des valeurs du panafricanisme, c'est d'abord ça, l'unité et la solidarité de tous les Noirs, parce que c'est ça qui va permettre aux Noirs de se faire respecter dans le monde, l'unité et la solidarité. Vous voyez? Et puis, bon, il y a d'autres valeurs comme avoir une monnaie, avoir notre propre monnaie, voilà, ne pas accepter des bases étrangères sur le sol africain. Donc, c'est tout ça les valeurs du panafricanisme. Et Marthe Moumier, elle était acquise à toutes ces idées-là, à ces valeurs-là. Mais est-ce qu'elle est bien connue dans le milieu, le public camerounais? Est-ce qu'elle est honorée au Cameroun en ce moment?
Elle est connue, mais elle n'est pas honorée. Elle n'est pas honorée et je déplore cela. Et mon souhait est que non seulement le Cameroun, mais l'Afrique puisse honorer cette grande combattante, cette militante, n'est-ce pas, du panafricanisme. Il est temps, à mon avis, il faut que, on espère que ça va se faire avec des gens comme Sonko, si des gens comme Sonko arrivent au pouvoir, Masra au Tchad, et puis voilà, avec les gens comme Assimi Goïta, là, on espère qu'avec cette génération, ces gens-là, ces héros, héroïnes, seront honorés. Il faut qu'on donne leur nom, n'est-ce pas, à des rues, à des avenues, à des écoles, à des universités. Il faut les honorer, parce que c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'Afrique. Mais comment faire pour faire venir les panafricanistes au pouvoir un peu partout en Afrique? Est-ce que tu as une idée, une stratégie, un conseil à donner? Parce que c'est ça l'objectif. Si on se retrouve, on retrouve des panafricanistes un peu partout en Afrique, je pense que l'unité africaine va être une réalité. Mais comment faire? Bon, tout à l'heure, j'ai écouté, avant l'émission, j'ai écouté Kémi Séba, qui fait un travail remarquable pour l'Afrique. Je l'ai entendu dire qu'il va installer, donc le siège de son mouvement Urgence panafricaniste au Mali. Mm-hmm. Et voilà, il dit ça pourquoi? Parce que le discours de, n'est-ce pas, de Abdoulaye Maïga, ça l'a vraiment impressionné. Donc, il se dit qu'aujourd'hui, l'avenir des pays dits francophones, cet avenir-là se joue au Mali. Vous voyez? Donc, je crois que le fait d'installer, n'est-ce pas, son mouvement au Mali, ça va, à mon avis, provoquer voilà beaucoup de choses, vous voyez. Et donc je pense que c'est une voie, qu'il est en train d'ouvrir, un chemin qu'il est en train d'ouvrir, et je pense que c'est peut-être par là que le feu, n'est-ce pas, du panafricanisme va, n'est-ce pas, toucher d'autres pays africains. Ouais, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut à la tête de nos pays des gens, n'est-ce pas, comment on dit ça, convaincus des idées panafricanistes. Il faut ces gens à la tête de nos pays. Pas les sous-préfets, là, les gens vendus, les gens qui ne peuvent pas parler devant Macron. Il faut arrêter ça. Ouais, j'ai vu une vidéo là où on voyait, n'est-ce pas, Macron. Je crois que c'était en marge de la réunion de l'ONU, là, de l'Assemblée générale. On a vu comment Macron tenait une réunion avec, n'est-ce pas, ses sous-préfets là, à l'ambassade de France aux Nations Unies. C'est honteux, ça, c'est honteux, vous voyez, c'est honteux. Oui, parlant de l'ONU, on revient au discours prononcé. Hein. Pour moi, c'est un discours historique prononcé par Dr Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien par intérim. Je voudrais avoir tes réactions en tant qu'analyste panafricain par rapport à ce discours. Nous allons avoir tout à l'heure l'honorable, comment on appelle, Kassim, qui est député en ce moment au Mali, qui va venir et nous allons parler spécialement de ce discours-là et du leadership malien à notre émission de 15h30. Mais j'aimerais quand même avoir ton point de vue en tant qu'analyste panafricain par rapport à ce discours historique. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que si on fait une comparaison, ce discours, on peut le comparer avec celui de Martin Luther King devant le Lincoln Memorial à Washington, le 28 août 1963, I Have a Dream. On peut aussi le comparer à celui de Sankara, le 29 juillet 1987 à Addis Abeba, discours dans lequel Sankara faisait un lien entre le colonialisme et la dette. Discours dans lequel Sankara demandait aux chefs d'État africains de ne pas rembourser cette dette que nous n'avons pas contractée. Vous voyez? Et je pense que après ce discours de Sankara, on n'avait plus entendu un dirigeant africain parler de la sorte. Vous voyez? Donc c'était vraiment, c'est un discours d'anthologie. Hein? Parce que après Sankara, on n'avait plus entendu un chef d'État africain parler sur ce ton-là. Parler franchement, sans langue de bois, attaquer frontalement la France, on n'avait jamais entendu, on n'avait plus entendu ça après Sankara, vous voyez. Donc, c'est en ce sens-là que, pour moi, c'est un discours historique, un discours d'anthologie. Deuxièmement, c'est un discours où chacun en prend pour son grade. Hein, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies,
Hein, voilà, Maïga lui dit que c'est pas ta mission de parler de, n'est-ce pas, de ce qui se passe entre Ouattara et le Mali à propos des 46 mercenaires. Tu n'as pas à prendre position. Bon, il parle aussi à la France. Hein, et les autorités françaises, il les qualifie de junte. Vous voyez, il n'a pas peur de les qualifier de junte. Vous voyez, et il dit, mais voilà, ces gens-là, nous voulons un débat avec eux parce que nous avons des preuves. Des preuves que ces gens-là violent notre souveraineté nationale, que Finance le terrorisme. voilà, c'est ça qui finance les terroristes, ils leur donnent les renseignements. Nous voulons un débat avec eux et ils fuient le débat. Vous voyez, donc c'est inédit ça. Vous voyez? Bon, donc ça c'est pour la France. Il va aussi s'adresser à Mbalo. Hein? J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il dit que, il existe un principe. N'est-ce pas, de subsidiarité entre la CEDEAO et les Nations Unies et non un principe de mimétisme. Pourquoi? Parce que Mbalo, en fait, il ne fait que répéter ce que Guterres dit. Hein, il dit, mais oui, l'ONU a dit que les gens qui sont en cause au Mali, ce ne sont pas des mercenaires. Bon, mais ça, c'est ce que l'ONU dit. Et lui, se croit obligé de répéter ça comme un perroquet. Oui, donc, voilà un premier ministre qui n'a pas peur hein, d'attaquer frontalement la France. Hein, le secrétaire général des Nations Unies et Mbalo, vous voyez. Et ensuite, j'ai envie de dire que c'est un discours de rupture. C'est-à-dire, Maïga, il est le symbole de cette Afrique qui a rompu avec la langue de bois. Voilà, qui dit les choses telles quelles. Hein? Donc, il est le symbole de cette Afrique qui ne veut plus tendre l'autre joue hein, quand elle est frappée, hein, mais qui répond du tac au tac. Hein? Il est le symbole de cette Afrique qui refuse de se laisser piétiner. Vous voyez? Et une autre chose que je veux dire, c'est que moi, quand je l'écoutais, j'ai eu l'impression que ce monsieur-là incarnait à la fois Modibo Keïta, Patrice Lumumba, Nkrumah, Rawlings, Sankara, Bia Kabuda, Sékou Touré. J'avais l'impression que tous ces nationalistes, tous ces patriotes africains, tous ces panafricains étaient réunis dans Abdoulaye Maïga. Vous voyez? Et donc, vraiment, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que son discours historique nous donne des raisons d'espérer. Parce que je connais des gens qui pensent que l'Afrique, c'est fini, l'Afrique ne peut pas s'en sortir, l'Afrique est condamnée, n'est-ce pas, à tourner en rond. Hein? Bref, c'est ce qu'on appelle les afro-pessimistes. Mais quand on écoute un discours pareil, on a vraiment envie, ou enfin, on se dit que non, l'Afrique n'est pas perdue, hein, que l'Afrique peut, elle peut rebondir, l'Afrique peut renaître, n'est-ce pas, plus forte. Vous voyez? Donc moi, en tout cas, c'est un discours que j'ai aimé, que j'ai salué, et ce monsieur vraiment m'a rempli de fierté. Et comme j'ai dit, il nous donne des raisons d'espérer que l'Afrique peut encore rebondir, qu'elle peut renaître. Mais elle peut renaître plus forte. Voilà. Donc voilà ce que je pense de ce discours-là. Et je pense que c'est un discours que vraiment que tout Africain, n'est-ce pas, épris, n'est-ce pas, de liberté devrait lire. C'est un discours qu'on doit enseigner dans les universités africaines. C'est un grand discours. Je crois que le dernier point, il est très important si déjà l'intelligentsia africaine peut prendre ça en compte parce que nous devons apprendre notre propre histoire que d'apprendre l'histoire de l'Occident tout le temps. On Tout apprend à fait. l'histoire de l'Occident à l'école, mais nos histoires là, on ne les apprend pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un discours historique. Ça doit être vraiment implémenté dans les écoles africaines. Il y a quelqu'un qui appelle ici. Je vais voir. Donnez-moi un instant. Allô, bonsoir au téléphone. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, vous, ça va? Ça va, votre nom? C'est Monsieur Alachi. Alaki, bonsoir. Vous voulez intervenir? Vous avez quelque chose à dire? Alachi. Alaki, oui, bonsoir. Vous avez quelque chose à dire? Oui, tout à fait. C'est pour rebondir un peu sur l'intervention du docteur Jean-Claude. Oui. Alors, oui, tout à fait. Le président Thomas Sankara était panafricain. Donc, c'est un président qui a lutté pour l'Afrique. Au-delà pour son pays. Mais c'est un point que
Je vais essayer de le compléter. Oui. Après Sankara, Oui. à la conférence de Bonn en 89, Oui. l'ex-président du Tchad, Hissène Habré, a Oui. aussi a parlé d'un ton très sévère à la France. Ouais. Hein, là où il a cité le néocolonialisme et puis la démocratie sur un plateau d'argent qu'on n'en voulait pas, il a dit des choses. Ouais. Donc, il n'y a pas que Sankara qui a répondu à la France. Il y a aussi des panafricains, des révolutionnaires, comme Hissène Habré. Donc, parmi nos dirigeants, il y a eu des hommes qui ont tenu la tête à la France. Donc, il faut souligner aussi ces petits points. D'accord. Le problème avec Hissène Habré, c'est qu'il traîne beaucoup de casseroles aussi. Hein. Donc, souvent, c'est ça que les gens regardent beaucoup plus qu'un discours qu'il a prononcé une fois en passant. On regarde toujours la somme des choses. Tout homme a des positifs et des négatifs, mais on regarde la somme. Et s'il y a plus de négatifs que de positifs, bon, l'histoire tend à ne pas se souvenir de ça. C'est un peu ça aussi le problème avec Hissène Habré. C'est pas qu'il n'a pas. Oui, il a tenu tête, il a même dit que l'Afrique n'a pas de leçons de démocratie à recevoir de l'Occident et toutes ces choses. C'est vrai, ça, c'est à son crédit, c'est vrai. Oui, je crois que il le ferait. Oui. Oui, vas-y, Allô? Jean-Claude. Oui, je voulais Oui. ajouter que le frère a raison. Il a raison de mentionner que, effectivement, après le discours de la boule de Mitterrand, Hissène Habré a dit que les Africains n'avaient pas de leçon de démocratie à Je recevoir ne sais pas si d'Occident. c'est moi, je t'entends faiblement, Jean-Claude. Ah bon? Mais moi, je t'entends très bien. Ouais, moi aussi, je l'entends faiblement, ouais, tout à fait. Alors, ma... Allô? allô? Oui, Allô? vas-y. Oui, donc je disais que le frère a raison d'attirer notre attention sur le fait qu'après le sommet de la Baule, Mitterrand avait effectivement dit, il dit Mitterrand, Hissène Habré avait dit que les Africains n'avaient pas de leçon de démocratie à recevoir de la France. Ça, il a dit. Et certains pensent que, en le disant même, il avait signé son arrêt de mort. Parce que Ouais. c'est après ça que les Français, n'est-ce pas, Tout à fait. ont ouvert le boulevard Oui. à Déby. Moi, j'étais au Tchad. J'étais au Tchad quand Déby est rentré, mais vraiment sans aucune difficulté à N'Djamena. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vrai. C'est que le frère a dit, c'est vrai. Mais comme Alain aussi a dit, je crois que pour vraiment porter un jugement sur quelqu'un, il faut voir comment on dit ça, les choses positives et les choses négatives. C'est-à-dire, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Oui, on ne peut pas seulement regarder ce petit discours-là de Hissène Habré, parce qu'on sait par ailleurs aussi tous les crimes hein, qu'il a commis, hein, avec Déby d'ailleurs, parce que Déby était avec lui, ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, on ne peut pas, à cause de ce discours-là, on ne peut pas dire que Hissène Habré est un héros, on ne peut pas dire ça. D'accord. OK, merci Alachi. Docteur, Oui. Hissène Habré est un héros dans la mesure où il a été un patriote, il a libéré son pays de la joute esclavagiste libyenne. Hissène Habré a reconstitué la nation tchadienne. Hissène Habré a aussi des positifs. Quand on juge une personne, c'est par rapport à ses qualités et à ses défauts. Mais il ne faut pas prendre seulement les défauts et jeter les qualités. Hissène Habré sur la gouvernance au Tchad, au temps des scènes, vous étiez tous là, vous êtes vivants. Comparé aujourd'hui, le Tchad d'aujourd'hui ou datant au temps des scènes. Tout homme à l'époque, tout président, presque tous les présidents africains étaient des dictateurs farouches. Presque tous les présidents africains, je dis, Mais voire Alachi même a jusqu'à nos jours, la dit, dictature continue. oui, Donc, il n'y a pas qu'Hissène Habré, seul son régime était régime dictatorial. Il y d'accord. a presque tous les pays, c'est un phénomène un peu continental, hein, sur le continent africain. Donc, les qualités d'Hissène sont rares hein, de nos jours. OK. Donc, la bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique, la libération du pays, et comment la mal négociation du pétrole tchadien,
C'est un dossier colossal. Il y avait un dossier positif. D'accord. On va. Ok. D'accord. C'est un point de vue, mais à ce que je sache, je ne qualifierais pas une personne de héros ni de panafricain quand il y a plus de 40 000 morts sous cette personne. Jamais. Donc, ça dépend des gens. Certains pensent que Hissène Habré est leur héros. Tant mieux. Mais moi, non. Jamais. Je ne peux jamais dire que Hissène Habré est un héros. Je ne peux jamais dire que Hissène Habré était un panafricain. Parce que non. Il a tué. Il a du sang sous la main. Beaucoup d'innocents. Il a fait beaucoup d'orphelins. On ne peut pas être un chef d'État et avoir tué autant mais de personnes. Mais quel régime qui n'a pas tué, qui ce n'a pas d'orphelin, à commencer par Kambolbaï jusqu'à Déby. Écoutez, on n'entre pas dans ça. Ce n'est même pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. On n'est pas en train de parler des autres régimes. Vous avez parlé de Hissène Habré. Et je vous dis que Hissène Habré a du sang sur les mains. Il a tué des milliers de personnes. Si vous voulez parler d'autres régimes, on va parler, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. C'est ce que certains disent. Certains peuvent dire non, ce n'est pas vrai aussi. Donc, pour moi, Hissène Habré est mon héros. C'est un panafricain, c'est un patriote. Oui, mais je donc, dis chacun, ça dépend chacun des gens. Il y en a qui voient Hissène Habré comme un héros parce qu'ils ont profité sous Hissène Habré. Moi, non. Sous Hissène Habré, personne n'a profité, il n'y a rien à profiter. Vous dites que Hissène Habré est votre héros. Moi, non, déjà, parce que moi, j'ai vécu le déjà, vous avez écouté l'intervention du président du Conseil supérieur, comment on appelle le truc de la justice, là, hier, Ahmed Bachiré. Il a dit comment, sous Hissène Habré, la gestion de la chose publique est faite. Personne ne peut détourner 5 francs. Parce qu'il y avait l'autorité de l'État. Mais n'oublie pas que ce même ministre-là aussi a dit que les manifestations ne doivent pas être réprimées, mais que les gens ne doivent pas aussi manifester si c'est interdit. Donc, en tant qu'homme de droit, qui sait que le droit de manifester est un droit constitutionnel et qui dit ça, c'est de n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc, voilà. Hissène Habré est votre héros, tant mieux. C'est votre choix, il n'est pas mon héros. Donc, merci. Je vous en prie, au revoir. Ok, au revoir, Alachi. Merci bien. Merci. Ah, bye. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. On a ouvert la parenthèse. On va revenir à nos moutons pour finir. Parlant effectivement de ce discours-là. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question, je crois que c'est Esther, qui demandait si... Marthe avait des enfants et à part être écrivaine, est-ce qu'elle avait un autre métier? Je crois qu'on a parlé d'elle, elle a deux filles. Oui, elle a eu deux filles, mais c'est une, je crois, qui est restée en vie. Son métier, c'était écrivain, c'est ça? Non, ou bien elle avait d'autres non, métiers? Non, elle n'était pas écrivaine. Elle a écrit un livre, et, en fait, pour témoigner du combat qu'elle a mené avec les autres... militant de l'UPC, et puis elle voulait parler aussi de la mort de son mari. Donc, c'est un témoignage, c'est un livre témoignage, mais ce n'est pas une écrivaine, parce que c'est le seul livre d'ailleurs qu'elle a écrit, le seul bouquin qu'elle a écrit. Ok, d'accord. Maintenant, par rapport à la déclaration de M. Maïga à l'ONU, nous avons vu aussi l'ancien président Yahya Boni, qui avait aussi fait une sortie. Je ne sais pas si tu étais au courant de sa sortie. Qu'est-ce que tu as commenté par rapport à cette sortie? Un ancien chef d'État. Oui. Alors, Yahya Boni, qui a dirigé le Bénin avant Pascal Talon, comment il s'appelle? Celui qui est là, actuellement. Talon? Patrice Talon, voilà, c'est ça. Donc, Yahya Boni a été touché, impressionné par ce grand discours de Abdoulaye Maïga. Et il a dit, alors je crois que j'ai noté comme ça là, il a dit que d'abord les Maliens devraient accueillir Maïga en héros à l'aéroport. Et puis il a dit, mais vraiment, cette nouvelle génération là, elle a fait ce que nous autres, on n'a pas pu faire. C'est-à-dire parler comme ça franchement, ne pas se laisser piétiner. Nous, on n'a pas pu le faire. Et il a dit que nous, les vieux, on peut mourir en paix maintenant. On peut mourir en paix maintenant. Parce que ce que Maïga fait là, en fait, nous, on a toujours rêvé. On a rêvé de faire ça, mais on n'a pas pu le faire.
Et voilà, ça se réalise avant notre mort. Donc, on peut maintenant partir tranquillement. Vous voyez? Je trouve ça beau, quoi. Donc, tu vois? Donc, lui, il reconnaît que, voilà, ce monsieur, vraiment, il a du courage. Il a du courage. Et il dit que ce que lui, il a fait, là, ce discours historique, il dit c'est inouï. C'est du jamais vu. Ce sont ces mots, ça. C'est du jamais vu. Et c'est vrai, il a raison. Je l'ai dit. J'ai dit, après Sankara, on n'avait plus entendu un chef d'État africain parler de la sorte. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment c'est inouï, c'est de l'inédit, ça. Et je suis d'accord avec lui quand il dit que Maïga, on devrait l'accueillir en héros. Absolument, ouais. Tous les Maliens devraient être à l'aéroport pour accueillir ce digne fils d'Afrique. Parce qu'il a mis chacun à sa place, Gutiérrez, Macron, à Ouattara, voilà Ouattara d'ailleurs. Ouattara qui parle des choses de junte, alors que lui-même, n'est-ce pas, il a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Alors, Maïga avait raison en prenant cette affaire, cette image du chameau. Hein, le chameau, n'est-ce pas, lui-même qui est bossu, mais qui se moque de la bosse du dromadaire. Mmh. Vous voyez? Donc, ça, c'est ça, je veux dire que ça, c'est du jamais vu, ça. Les chefs d'État, en général, ils sont diplomates. Le chameau a deux bosses, hein? Le chameau a même deux bosses. Voilà. Mais c'est du dromadaire qui en a qu'une seule. Voilà, donc les chefs d'État, entre eux, en général, ils utilisent le langage diplomatique. Mais là, Maïga, vraiment, il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans la langue de bois. Bon, alors au début, il fait semblant là, de les caresser. Bon, il dit, voilà, notre cher aîné respecté, Ouattara. Mais après, c'est pour lui donner un hypercute. Et moi, personnellement, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait pas avoir ce genre de raisonnement. On était là, cantonné dans la notion pays, que quand il y a eu une déclaration qui vient de l'extérieur, on voit ça comme une agression à notre pays et tout le monde se lève. On dit on va régler le sort et puis on va gérer nos problèmes à l'interne après. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ont transcendé les frontières et aujourd'hui, toi, tu es Ivoirien et tu te réjouis du discours du premier ministre malien contre Alassane Ouattara, qui est ton président. Vous voyez un peu comment les choses, les mentalités ont évolué à cause du mouvement panafricain. Oui, absolument. On ne regarde absolument. Plus parce que je suis Ivoirien, je suis Tchadien. Non, on regarde qui est là pour l'intérêt de l'Afrique et qui sont là comme des valets locaux de la France. Absolument. Les Africains sont tellement instruits et ouverts pour comprendre ces choses. C'est ça. Aujourd'hui, moi, quelqu'un comme Mahamat Kaka, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais Assimi Goïta, il est notre héros ici. Je suis tchadien. Peut-être la mentalité de l'époque aurait voulu que je soutienne Mahamat Kaka, mais non, jamais. Moi, je soutiens Assimi Goïta parce que je sais qu'il est pour l'Afrique, il est pour le peuple malien, il n'est pas pour la France. Et c'est ça la mentalité d'aujourd'hui qu'il faut soutenir partout en Afrique. Oui, je suis d'accord avec toi, Alain. D'ailleurs, je t'ai dit que M. Seba, il dit qu'il va installer donc, le siège de son mouvement urgent panafricaniste sera maintenant au Mali. Pourtant, il est béninois. Il est béninois, il a passé le plus clair de sa vie au Sénégal, il aurait pu mettre ça là-bas, mais il met ça aux choses au Mali. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il faut quitter maintenant voilà, les petits... comment on dit ça, le patriotisme voilà, qui se limite à son pays. Il faut sortir de là. Aujourd'hui, il faut se penser en africain, en panafricain. Voilà, en panafricain. Alors, moi, je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais au Tchad, quand j'étais au Tchad, donc entre 89 et 91, voilà. Donc, en 89, j'ai écrit un poème parce que c'était le deuxième anniversaire de la mort de Sankara. Donc, j'ai écrit un poème pour lui rendre hommage. Et le poème est publié dans Jeune Afrique. Et en communauté, au CCL, au collège Charles Luanga de ça, on recevait Jeune Afrique. On était abonné à Jeune Afrique. Donc, le journal arrive, le magazine arrive dans la communauté. Et c'était, je crois, à midi. Moi, j'étais un peu en retard au repas. Donc, j'arrive et j'ai vu que les gens regardaient, les Français qui étaient là, donc les prêtres jésuites français, les coopérants, ils regardaient mon poème. Et il y a un qui me fait la remarque suivante. Il dit, ah, bon, Sankara est ton modèle, ton héros. C'est lui ton héros, Sankara? Je dis, mais oui, c'est mon héros. Il dit, ah, bon.
Il dit, mais moi, je pensais que ton héros, c'était Oufouet Boigny. J'ai dit, ah bon, mais Oufouet Boigny, c'est vous, votre héros. Votre héros, vous, les Français. Mais moi, il n'est pas mon héros. Mon héros, c'est Sankara. Vous voyez? Donc, je veux dire, le fait que je sois ivoirien, s'il y a quelque chose de bon qui se fait au Burkina, au Mali, je ne peux pas ne pas l'applaudir. Et il faut que les Africains soient dans cet esprit-là aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, les bonnes choses, les bonnes nouvelles arrivent du Mali. Donc, moi, je vais dire que ça ne me gêne pas, hein, voilà, d'applaudir ce qui se fait de bon au Mali, en Centrafrique. Voilà, c'est ça. Et c'est cette mentalité aujourd'hui que nous devons avoir. Il ne faut pas rester dans son pays, là, voilà. Non, moi, aujourd'hui, je me définis comme un panafricain, un Africain, voilà, de Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. C'est ça, en tout cas, c'est ça, hein, c'est ça le mouvement. C'est ça aussi l'importance d'être panafricain. Il avait aussi réglé le compte de Bazoum du Niger. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais Bazoum, c'était un idiot. C'était un idiot. Non seulement ça, c'est un étranger. Je Mais pense que tous ces petits valets de la France, le temps est venu de les remettre à leur place. Vous voyez? Moi, j'ai entendu, là, j'ai écouté hier une chaîne proche de Ouattara, en Côte d'Ivoire, où des gens, là, des soi-disant professeurs, enseignants d'université, soi-disant journalistes, voilà, se sont mis à insulter, à railler Maïga en disant que son discours était injurieux, il a manqué de courtoisie, mais c'est n'importe quoi. C'est un discours historique, ce discours-là. C'est un grand discours. Et il faut vraiment être un valet de la France pour dire le contraire, pour soutenir le contraire. Maïga, c'est pas n'importe qui. Hein. Il semblerait qu'il a fait son doctorat à l'université de Lyon. C'est un militaire, mais avec la tête bien fixée sur ses épaules. C'est pas comme nos généraux que nous avons au Tchad aujourd'hui. Il y a un commentaire ici. Je sais pas. Est-ce que tu peux lire ça? Il demande l'avis sur la réponse de RFI qui est allé puiser cette contradiction au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Palga. Et au Mali, avec un représentant politique, l'observateur Parga a comparé le Premier ministre par intérim malien à un hippopotame sorti de la boue. L'homme politique malien a qualifié le discours de disco de Pleneshah. En France, rien. Et ils peuvent rien dire en France. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ils ne peuvent rien dire. Hein. Même l'opposition. Parce que j'ai regardé un peu, l'opposition ne dit rien. L'opposition ne dit rien parce que, je veux dire, la charge de Maïga, elle est violente. Elle est violente. Et je crois que, bon, eux tous, ils se sentent humiliés. Hein, ils se sentent humiliés. Hein. Bon, alors peut-être que, pour des raisons politiciennes, pour mettre en difficulté Macron, peut-être que les opposants un jour lui diront ça, que voilà, à cause de toi, la France est humiliée aujourd'hui par le Mali. Mais pour l'instant, j'ai regardé, tous, ils sont silencieux. Tous, vraiment, sont KO. Le discours de Maïga les a mis KO. Que ce soit les gens au pouvoir ou l'opposition en France, ils sont vraiment KO. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et moi, je dis, encore une fois, je dis bravo à Maïga. Parce que désormais, les Africains doivent répondre du tac au tac. Il y a des gens qui disent que oui, il a été injurieux, il a insulté les gens, on ne fait pas ça. Mais alors, mais les Français, les hommes politiques français, les journalistes français, ils ne font que ça, ils nous insultent. Alors, quand ils nous insultent, c'est normal ça? Eux, ils ont le droit de nous insulter? Non, en tout cas, moi, Maïga, j'ai dit bravo. Ce qu'il a fait là, j'ai dit bravo. Et désormais, il faut que ce soit comme ça. On doit répondre du tac au tac. On ne doit plus, quand les gens nous giflent, on ne doit plus tendre l'autre joue. Il faut qu'on réponde. Ouais. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je suis pour ça. Mais il avait dit aussi, hein, il avait dit clairement aussi, ainsi hein, c'est par une balle, on va répondre aussi par une balle. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce que tu penses quand, en face du monde entier, il qualifie la France de la junte? Et il a répété ça au moins 3 fois. Ça, c'est quand même lourd, hein? Oui, je crois qu'il n'a pas tort, hein, parce que quand on réfléchit très bien, la France, au moins ceux qui dirigent la France depuis quelques années, quand tu vois leur comportement est aux antipodes des valeurs, tu vois, prônées par exemple par les Lumières, hein, par tous ces grands philosophes-là. Hein. Bon, on nous dit souvent que la France est la patrie des droits de l'homme. Et justement, c'est en France, en 48, que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée.
Mais est-ce que la France respecte les droits de l'homme en Afrique? On a parlé des assassinats des nationalistes africains, hein, les Oumniobé, hein, Félix Moumier, hein, les Sankara, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio au Togo, tous ces gens-là qui ont été assassinés. Mais ce n'est pas ça les valeurs, ce n'est pas ça les valeurs de la France. Hein? Ou bien quand ils soutiennent des terroristes, quand ils soutiennent des rebelles, ce n'est pas ça les valeurs de la France. Donc je crois que Maïga a tout à fait raison de dire que ces gens-là qui ont tourné le dos aux valeurs de la France, c'est une junte. C'est des gens sans foi ni loi. D'accord. Mais je crois qu'on est arrivé à la fin, hein, docteur Jean-Claude. On va se dire au revoir si tu as un dernier mot pour tes auditeurs avant qu'on se sépare. Je ne sais pas aussi si tu as déjà le héros pour la prochaine émission. C'est un lundi sur deux. Peut-être que tu n'en as pas en tête aussi pour le moment. Non, je ne suis pas encore prêt. Tu vas aller chercher d'abord. Je vais chercher, oui. D'accord. Et quel est ton mot de fin pour nos auditeurs? Mais je voudrais dire que ce discours de Maïga, vraiment, ça nous a fait du bien. Moi, j'ai bien dormi. Contrairement à... J'ai deux amis qui ont dit que quand ils écoutaient Maïga, ils avaient peur. Ils tremblaient. Ils tremblaient parce qu'ils se disaient, mais ce type-là, est-ce qu'il ne va pas prendre une balle dans la tête pendant qu'il prononce son discours? Mais moi, je n'ai pas tremblé. Moi, j'étais heureux. J'étais heureux et j'ai bien dormi. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'avenir des pays dits francophones se joue au Mali. Et donc, c'est vraiment mon mot de fin. Nous devons tous soutenir le Mali. Nous devons soutenir Assimi Goïta et ses camarades. Parce que notre avenir se joue au Mali. C'est le Mali qui va nous libérer. Donc, ne laissons pas les Maliens, les Centrafricains se battre tout seuls contre la France. Cette France arrogante et esclavagiste. Donc, voilà le mot... que je voudrais dire pour conclure notre entretien. Très bien, voilà. Donc, ainsi prend fin à notre entretien d'aujourd'hui. Notre héroïne du jour, c'était Marthe Moumier. Donc, pour une prochaine fois, on reviendra encore avec Dr Jean-Claude Guéréké pour le héros ou la héroïne du jour qu'il va choisir. Donc, pour moi, je reviens tout à l'heure. On va continuer le débat sur le discours historique du Premier ministre malien à l'ONU. Cette fois-ci, ça va être avec l'honorable Kassoum Moussa Diarra. Je veux dire, il est membre du Conseil national de transition du Mali. Il est aussi le président du mouvement La Sentinelle. Donc, nous allons nous revoir avec l'honorable Kassoum ce soir à 15h30 de New York, soit 19h30 de Bamako, 20h30 du Tchad, 21h30 de Paris. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Nous allons disséquer, sinon décortiquer, le discours du Premier ministre malien point par point. Notre équipe technique a fait un travail formidable pour disséquer en séquence ces discours-là. Donc, nous allons jouer les différentes séquences et nous allons poser des questions à l'honorable Kassoum pour nous éclairer encore sur la profondeur de ce discours-là. Et en deuxième partie, nous allons parler du leadership malien dans la lutte panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est un exemple pour nous tous par rapport à ce combat panafricain que nous sommes en train de mener. Quels sont les conseils que lui, en tant que aussi un des leaders maliens, a donné à la jeunesse africaine pour pouvoir mener cette lutte? Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure avec l'honorable Kassoum Diarra à 15h30 de New York. Donc, ne ratez pas cet événement, ça va être chaud. Ça va être chaud avec l'honorable. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas la langue de bois. Presque tous les Maliens sont comme ça. Donc, encore une fois, merci d'être là. Merci de partager l'émission. Merci aussi de vous enregistrer, de souscrire à nos pages YouTube, Facebook, Instagram. Et on se retrouve à 15h30. Que Dieu vous bénisse.